Attends, Emmett, je vais te terminer. Armé. Ouh, qu'est-ce qu'il veut faire ? Rien ? T'inquiète ? Youhou ! Youhou ! Oula ! Youhou ! Youhou ! J'entends des explosions. Youhou ! Oh ! Youhou ! Mais je suis à côté ! Garde Emmett, vas-y, prends les ressources. C'est bien, hein ? T'as vu, ça marche bien comme technique de minage. Et les gars, il est l'heure. C'est vrai. Bah oui, on a des ballons pour voler, on a même l'aéroport et tout. Et... Du coup, quelle dimension est parfaite pour aller laser. Justement avec... Laser. Yeah, laser. Boy. Par contre, on va peut-être mettre l'upgrade pour larguer des bombes. Moi, je l'ai. Comme ça, disons que à la moindre difficulté devant notre passage, on largue des bombes. On pourrait. J'ai une question. Oui. Non, rien. Pas mal, ça. Humour. C'est honteux. C'est honteux. Non, je crois c'est qu'il vraiment est honteux. C'est vraiment honteux. Il rigole vraiment. Sauvez-moi. Oh, sauvez-moi. Oui, oui. Mon Dieu. Oui. Tu peux m'appeler Aurélien, hein, je t'ai déjà dit. Oui. Moi, c'est MLG. Hein. Bon, ben... on commence. Bon, ben, on commence. c'est dur, hein. Sauvez-moi. Attention, je vais larguer une bombe. Piou. 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 Oh, voilà l'interface. Piou. Piou. Ah, il était déjà mort. Ah, là, il est vraiment mort. Moi, je suis sous le sol, hein. Moi, je suis dans le sol. Je suis en train de miner. Pour chercher du fer, parce qu'elle a plus de fer. C'est l'enfer. Vous êtes où, dans quelle dimension, du coup ? Pas dans la normale, moi. Moi, je suis en dessous, moi. Bah, autant d'aller dans la dimension de minage, qui est faite pour, non ? On pourrait. Ce serait pas plus simple, genre il y a du minerai partout visible. Non. On pourrait. Je sais pas, ça me semble être une idée quoi. C'est une bonne idée, on va y aller du coup. J'arrive. Ah oh là là. Et l'accès à cette dimension, c'est où déjà ? Au niveau du portail du Nether. Pourquoi j'entendais ? C'est le truc qu'on a décoré là ? J'étais dans l'autre dimension et j'ai entendu un drôle de truc qui a fait. Ah oui, c'est le gros méchant pas beau, là. Le grand méchant pas beau. Ah, c'est yes. Le carré ici, t'as juste à faire clic droit. Maintenant qu'on a du fer, je vais peut-être pouvoir faire mes bombes. On a de quoi faire. Oui. Et l'iron, je mets à cuire dans un truc particulier ou juste dans un four, on s'en fout ? Dans un four, on s'en fout. Ouais, dans un four, on s'en fout. D'accord, très bien. Merci à vous. On s'en fout, quoi. Et vous voulez qu'on joue au loto ? Oui, on peut jouer au loto, oui. Ok, je me mets en plein milieu d'entre vous, ok ? Je tire une flèche. Et ce qui se fait toucher yes, à gagner pour moi. Yes, allez. On est heureux. Oh là là. Ah, c'est vrai que c'est rapide par contre. Ah. Ça suffit là de... Ah. de vous mettre là où je dois poser mes blocs là. Oups. Sorry. Il est parti. Adieu Mel. J'ai envie de lui casser la tour avant qu'il n'y arrive au-dessus.
Ah. Ah. Et voilà. Incroyable. Yes, il doit y en avoir un peu plus. Ah. En plus, j'ai une moins bonne fortune que toi. Bah oui. Oh là 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 là. Là, là, moi j'ai connu. J'étais obligé. J'ai connu des groupes qui se sont dissous pour moins que ça. Hein. Franchement, franchement. Oh, il y a plein de diamants. Franchement. Non, mais franchement. Franchement. Franchement, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien l'idée aussi? J'aime bien l'idée. Quelle idée? C'est pas mal, hein. L'idée du loton? Attends, on va refaire un nouveau tirage. Bougez pas. Non, je ah, bouge bah, pas. Ah, bah c'était ouais, mal, attends, hein. En même temps, voilà quoi. Mais ça, t'inquiète ouais, pas, le tirage était fait sous le contrôle de notre huissier de justice, maître Jean-Michel. Go faire le portail maintenant. Tous bah, à l'œuf. On peut rentrer avec le truc. Oh fuck. Yay! Incroyable. Ah! Ah! Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai vu tomber dans le vide! T'es tombé dans le vide? Je suis tombé dans le vide et j'atterris dans le monde normal. Ouais, t'atterris dans l'overworld, ça yes. Va, tu meurs pas. Hein. Heureusement, parce que purée. Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pu faire ça, vas-y, je teste aussi. La base est à 2000 cubes, c'est parti. Ah oui, toi aussi! Ah! Slash home. Bon bah, moi je suis bien ici, hein. On est ah bien oui, là. Le slash home, c'est vrai. Bah alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on farme? Il faut qu'on farme le zanith. On va chercher du zanith, messieurs. Il est déjà parti, ML. Il est déjà parti. Il y a juste un trou pour trouver du zanith, c'est tout. Vas-y, moi je vais vers l'île la plus proche où il y a le gros temple. Ouh. Où est-ce qu'il est, ML? Ah bah il est là. Ouais, mon truc. T'en as fait quoi là? What? J'ai cassé mon. Mon airship? Bah ouais, mon airship à moi. Il se casse dans l'eau, le airship. Ah, le voilà. What? D'où il a volé mon airship? Où est-ce qu'il était? Alors là, j'espère que... N'abandonnez pas votre airship, parce que j'ai l'impression que des fois qu'il se passe des choses bizarres. Faut que ce soit non, toi mais même. Moi, il est cassé. Il est pété. Genre, je peux pas le... Ah. What? Comment ça, il est cassé, il est pété? Bah, j'ai droppé dans l'eau. Et ça m'a donné un airship balloon. Des airship engine, un golden parachute. Genre, il s'est disloqué. Ah! Ah! Ah oh fuck! Ah. T'as pas de bol toi entre ton dragon et ton airship? Là ça fait deux fois. Ouh. Sans parler des deux fois où j'ai dû tomber de laser aussi. Une minute de silence oui. Pour Edo. La tristesse d'un Edo. Le tard? Ah bah y'a le temple là-haut. Oui. On aura un boss à faire là-haut. Ah. Pas tout de suite. On va devoir bosser. Oui. Et qu'est-ce que c'est marrant. Zeladi! On va prendre nos airships dans les mains. Hein. Oui, c'est mieux. Non, attends. Armée, bon. Ok. Vas-y, Edo. Ah, j'ai pas mes multitudes. Oh putain. On remonte du coup. C'est pas mon jour hein, aujourd'hui. Bah là, je veux pas dire, mais c'est vrai qu'il l'a fait exprès, hein. Non. Il t'a bien regardé, et il a lancé la bombe sur toi, quoi. Oh, what? Ouais, mon truc. Il vient. Ah, le voilà. Ça t'apprendra. J'espère que tu auras tous les malheurs du monde. Hey, Edo, t'étais où? On t'attendait. Ouais. Ah, tiens. Un coffre piégé. Il le réaspire instantanément. Il y a les trucs en zanith. J'aime bien quand on se l'échange. Hein. Vas-y, il faut trouver les Valkyries là. Alors, les Valkyries, je sais pas si tu vois les blocs au sol là. Les ouais. Light Angelic Stone. Yep. Valkyrie, j'en ai une devant moi. Il faut que tu marches dessus pour les faire apparaître. Ah oui. Sur certains blocs. Mademoiselle Valkyrie, voilà, je vais vous tuer. Et faut en tuer 10. D'ailleurs, normalement, vu que moi j'ai un pet qui permet de doubler les loot. Mais elles sont passives. Tape là. Elle est toujours passive. Tape là toujours. Ah oui, c'est vrai qu'on a le truc pour dupliquer les loots. Attends. Hop. Loot pet. Qu'est-ce qu'il aime les nuggets, c'est ça hein.
Oui, tu m'attaques, j'ai remarqué. Hein. Elle m'attaque là. Oh là là, je devrais répondre. Ah, du coup, oui, ça duplique les loot. Nice. Faudrait qu'on regarde si on peut spawner via une commande une version violette. Je pense qu'on peut, ouais. Des boss, de n'importe quel boss, ça pourrait être fun à faire en un épisode, tu vois. Ouais. On retourne là où on avait battu des boss et puis on spawn une version violette hyper violente. Ah, bah voilà la boss. Mais la boss, il faut que tu lui parles et que tu lui donnes 10 médailles. Ah, j'en ai que une. Du coup. Bah voilà. Pathétique. Bon, on en a 10 ensemble, hein. Moi, j'en ai 9. J'en ai 12. Tiens, je t'en donne une. Pourquoi elle a déjà pris des dégâts? Alors, bonne question, parce qu'on peut pas la taper de base, hein. Tu lui as donné des médailles? Ah! C'est bon. Ah! Terminé, du coup. Très bien. C'est tout. Bon, bah... Elle était même pas rehaussée par rapport aux Valkyries. Elle était juste... Oh, c'est quoi, ça? Donc on a des trucs dedans, si vous voulez les récupérer. J'ai pris des Valkyrie Gloves, je sais pas ce que ça fait. Neptune Gloves. Je sais pas ce que ça fait. De toute façon, je pense qu'il faut qu'on récupère tout pour les quêtes. Hein. Bon, et maintenant qu'on a vaincu le boss, qu'est-ce qu'on peut faire, Edo? On peut faire ça. Ah. Pas mal. Excellent. Il me reste toujours mes coussins. Ah, c'est là, voilà. Ok, oui, je les ai équipés, en fait. Donc pas maintenant, j'ai un truc qui me permet d'avoir du slow falling, regardez. Il plane. Et avec le multi-jump. Ah ouais, avec le multi-jump, c'est encore plus pété. Hein. C'est une sorte de mini-fly créatif, un peu, en quelque sorte. Ouais. Ah, regardez là-haut. Ah ouais. Ceci était un nouveau donjon qu'on n'a pas fait. Du nouveau contenu. Du nouveau contenu. Et nous avons un nouveau boss. Ah, il y en a deux l'un à côté de l'autre. Nice. Où est-ce qu'il est, ML. Viens avec nous, ML. Viens. Mais si je descends, le boss des pop. Ah, t'es déjà... Ah, ok. Bah le problème, c'est qu'il m'a enfermé là-haut. Ah, il t'a carrément enfermé. Oui, enfin enfermé. Je suis sur le toit, en fait. Vous pouvez venir me rejoindre. Hein. Ah. C'est bon, tu me vois? Ouais, je te voyais. Ah, là, je suis en train de rejoindre en haut. Ah, c'est elle. C'est lui, le boss. C'est la baleine. Oui. Ok, c'est pour ça qu'il y avait une baleine qui tournait depuis tout à l'heure. Bah oui. Je vais... Aïe. Ouf. Ce coup de boule. Il a pas mal de vie, en vrai. Hein. Ouais. Je vais attaquer au airship. Ah. Vas-y, le vas-y. Sol. Enchaînez-le. Je pense que... C'est parti. Il faut faire quelque chose. Ah, voilà. Aïe. Ouais. Des fois, il faut foncer dessus. Calmez-vous. Vas-y, il est coincé, vas-y. En fait, faut l'esquiver. Et une fois qu'on l'a esquivé, il se scratche au sol. Et du coup, une fois qu'il s'est scratché au sol, yes, on peut l'attaquer. Voilà. C'est bon, Edo, on a la technique. Yes. Tiens. Vas-y, tiens. Vas-y, continue d'attaquer. Vas-y. Tiens. Ah, je peux le geler. Ah, il est mort. Non? Non, ah. Je l'avais juste gelé. Mais il a récupéré toute sa vie. Nice. Merci Edo. Excellent, excellent Edo. Tu peux le refaire si tu veux. C'est pas sa journée à Edo. C'est tout ce que j'entreprends est un échec. Oh merde. Oh. Ah, c'est bon, est redescendu, c'était juste bugué. C'est bon Edo, c'était une blague. Yes, oh, il se passe quelque chose. Recule, Emel. Oh là. Que tal, comment est-ce là? Il m'a envoyé valser. On a plusieurs Edo maintenant. Excellent. Il est mort. Ah, c'est bon. J'ai eu la clé. Ouvrir. Où est le coffre? Il est en bas. Power Glove, ça fait quoi? Je sais pas. Regardons avec le book de l'or. Tiens, Edo. It seems this glove don't do anything yet. Ok, ça fait rien pour le moment. Nice. C'est pas sur quoi? Sur ce que je t'ai donné. Life Shard. Il y a plein de trucs à équiper, hein. Faut qu'on trouve des trucs, hein. En réalité, il y a des trucs sympas qu'on peut trouver. J'ai une troisième barre de vie, du coup, classe. Trois ? What ? C'est quoi ? Ouais, il y a des Life Shards, donc ouais, c'est des shards de rouge. Ouais, mais moi, les gars, je mange de ça aussi.
Qu'est-ce que c'est que ça? Air, carotte soupe. Encore une nouvelle alimentation, c'est pour ça que j'ai des cœurs en plus. Franchement, on dirait juste un bol de lait avec une carotte mais dedans, vite fait à l'arrache. Oui, bon, cool. Ah, du coup, il y en a un autre à côté si on veut le faire. Hein. Yes, il est juste à côté. Allez, go. C'est bon, je suis près de la baleine. Ah oui, t'attends pas quoi. Oh non, hein, fuck la baleine. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Baleine. Faut faire un clic sur son bloc là, il y a un bon. Ah, mais non, voilà, Edo maintenant il est en bas. Edo il peut plus monter. Mais si, il peut monter, il suffit de monter. Je crois qu'il est mort. Ah, il lui reste plus grand chose là. Un petit coup d'épée, c'est bon. Hein. Oui. Vas-y. Ah, fuck, il m'a eu. Il m'a eu. Il m'a touché là. Aïe, il m'a retouché. Ah, bah il est sur toi. Et il t'aime pas. Ouais. Il est mort. Il est mort. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Welcoming Sky, Agility Boots. Oh, il y a un Life Shard. Vas-y, ouais, je prends le Life Shard. Vas-y, prends-le, ça te donnera un cœur en plus. C'est sur quoi le Welcoming Sky? Mais où le Life Shard? Ou ça se mange? T'as juste à cliquer droit dessus. Ah ouais. On a un autre plan, Temple de Valkyrie là-bas. Valkyrie! Bah, on a encore plein de clés dans le système de stockage, donc go. The body. Il y a un truc de boss juste à côté. Il y a l'île, c'est bizarre là. Ah yes. Le truc chiant là. Ce boss là, c'est le pire boss du jeu. Hein. Mais le pire. Dans la boule là. Le pire dans le jeu, dans le sens où il est ultra relou à faire. Oui oui, je me souviens de lui. Je me souviens très bien de lui. On le fait pas. Hein. Le principe est sympa, mais bon, si on le fait, on en a pour une heure quoi. Moi je dis on le skip pas. Hein. La dernière fois on avait entendu 3 heures, on était en mode bon. C'est celui où tu dois tourner en rond et qu'il prend les boules et machin là. Ouais c'est ça ouais. Je me souviens très bien. C'est parti. What can you tell me about this place? I wish to fight you. I am ready. Voilà, terminé. Et voilà. Mon dieu. Et voilà. Vas-y, déverrouille. T'as pas la clé? Bah, c'est toi qui as eu la clé, c'est toi qui as tué le truc. C'est vrai. Ouh, Lightning Sword. Intéressant là-dedans. Il y a une Golden Feather, c'est ce qui fait que je plane. Prenez-la si vous voulez. Pourquoi pas. Oh, Silver Dungeon, Disglove, Ah, t'envoies des éclairs. Avec l'épée, oui. C'est pas mal, mais elle envoie un éclair. Le combat des deux dieux de l'esprit, Zeus. Zeus versus Zeus, le combat ultime. Meurs, Zeus. Et on cherche quoi au final? Qu'est-ce que... En fait, on cherche une faille dans un mur ou sur un pan de montagne pour trouver le boss, en fait. C'est celui qui est un peu dans une sorte de mine de donjon enterré, là. On l'avait déjà fait sur FTP. Yes. Le gros cube, il faut tuer à la pioche. Ah, j'en ai trouvé un, enfin. Yes, coordonnées. Damn, la vache. Bonjour, aventurier. Bienvenue dans mon donjon. Bonjour. Toi aussi, t'as un lapin sur la tête. Salut. Tuto Moa. Moa, toi. Ah, Emel, Emel. Emel. Fils de... Bon, je l'ai rattrapé. Il est là le cube. Il est là mon gros cube. Attends, faut regarder ce qu'il y a dans les loots. Non. Il est sympa dans les loots. Ah. Bon bah. Bon bah. Ah ouais, ok, donc en fait vous êtes dans votre côté quoi. Yes. De votre côté tranquille, tout va bien quoi. Faut le taper à la pioche du coup, c'est ça? Oui. Emel! Utilise un fruit ou autre chose pour passer, non? Oui, je vais pouvoir utiliser un chorus fruit. Oh, il t'a poussé là. Ça devrait aller. Aïe. Moi je vais looter le donjon moi. Ah, le secret c'est de tourner autour de lui. Moi j'attaque avec mon auto-smelt, c'est pour ça qu'il brûle. Ah bah attends, on pourrait utiliser
Est-ce qu'on en a une en Dragon Steel? Elle serait hyper puissante là-dessus, vu qu'elle a beaucoup d'attaques. Moi j'en ai une, Fire Dragon Steel. Vas-y, viens de voir. Bon, il était déjà pratiquement mort. Wow. Pas le temps. Ce qu'il y a là-dedans. Holy Sword. C'est quoi la Holy Sword? C'est la... Regarde avec le lore book ce qu'elle fait. Oui. Je suis curieux. Oh, il y a des bébés cubes! Oh la vache, il m'a fait voler. Holy Sword, an ancient sword which does the amount of damage to undead foes. A perfect weapon for traversing the overworld. Ok, donc c'est une épée qui donne beaucoup de. Qui fait beaucoup de dégâts aux undead. Donc en gros. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est Emel qui l'a eu. Donc voilà. C'était ce donjon là. T'es toujours dedans, Emel? J'aime bien être dedans. Attends. Sympa. Ah oui. Je vais te permettre de sortir, mais là, attends. Vas-y. Voilà, ML. J'ai fait une sortie. Merci. Oh. What the fuck? Quoi? Calmez-vous. C'est bon, hein. Tu peux sortir. C'est bon. Combien de subs? J'en ai eu plus de 200 aujourd'hui. Écoute, ça en fait combien? Ça m'en fait 1060. Joli. Tout rond. Est-ce que t'as battu mon record? Il me semble que t'as battu mon record. Oh, j'ai battu le record d'Aurélien Sama. Ouais, man. Hey, man. Je suis là. Je suis là. Hey, man. J'arrive au domaine. Il est plus le même depuis qu'il a eu 200 subs, tu trouves pas? Ouais, je trouve que... Je trouve qu'il est très imbutable. Un peu de haut, là. Ouais. Non, je suis là. Tu regardes de haut. Ouais, regarde haut, regarde moi aussi. Mais non, mais regarde. Allez. Hein? Bah non, t'as vu comme il nous regarde de bas, quoi. Regarde de bas. Mais non, regarde. T'as vu comme il nous regarde d'égalité, du même niveau et tout. Comme s'il était supérieur. Tu veux voir un truc rigolo? Ah, ouais. Un minerai qui s'envole. Regarde. Au revoir. Ouais, y en a plus. Et si je me mets par en dessous, je vole avec? Je crois pas, non. Vas-y. Ah. Au revoir. Merci. Tiens. Oh, à un moment j'ai passé à travers. Au revoir. C'est un bel ascenseur en vrai. Ah ouais, je suis passé à travers. Et tu vois, au bout d'un moment, il prend de la vitesse, tu passes à travers. Nice. C'est marrant. Nice. Marrant. Allez, Nasdolovie. Eh ben moi alors. Attends. Eh ben Louis alors. Et les filles alors. Et les filles alors. Au revoir. Moi je me casse. Tiens, mais. Et j'ai utilisé mon truc de saut pour aller encore plus haut. Je reviens. Oh. Salut. Bonjour. Nasdrovie. Nasdrovie. C'est de la bonne. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cet épisode des Aventuriers. On espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit un pouce bleu, pouce rouge ou un commentaire. Pouce bleu, pouce rouge. N'hésitez pas à suivre les chaînes Twitch de Edoroki et de ML. Lien dans la description. Dans la description. Texama, pour plus de testostérone. Au revoir. Gros bisous tout le monde. À bientôt.